Bonjour les amis, on se retrouve dans Avatar Frontiers of Pandora sur PC et on va continuer l'histoire principale. On va faire la quête Frappe Ultime qui est de niveau 18, se rendre dans la planque de la résistance. On va faire ça tout de suite. Affiché sur la carte, c'est ici. Et donc on va au repère de la résistance. Go! Des crânes nocturnes. Alors, parler à Rinella dans le centre de commandement. Alors, le centre de commandement, normalement, on va voir aussi si on peut pas. Non. Et on va peut-être faire un peu de bouffe et s'équiper correctement. Ça en fera après. Quand on sortira, je sais pas où est le fourneau ici, j'en ai pas d'idée. Allez, on va au centre de commandement. Il y a plein de personnes à qui on peut parler, mais je pense pas que ce soit ça. C'est plutôt par là. Nos armes ne peuvent pas détruire ces tourelles. On ne pourra pas les détruire de l'extérieur. Avertissement de progression. Si vous continuez la quête, vous ne pourrez plus quitter la zone avant d'avoir terminé la quête. Ok. Je vais peut-être d'abord aller m'équiper alors. Hein, pour pas faire de bêtises. Donc on va d'abord créer la bouffe. Alors je sais pas très bien ici où ça se trouve pour créer de la bouffe, est-ce que c'est dehors ou pas? Sinon je vais à un autre endroit hein, où je sais où c'est. Où sont les fourneaux pour faire la bouffe? Ça c'est pour faire passer le temps. J'ai pas d'idée d'où c'est, est-ce que c'est dehors? Bon, sinon je change de zone, ce sera plus facile, je vais aller à un labo, n'importe lequel. Le premier que je trouve, bon celui-là est pollué. On va prendre un qui n'est pas pollué, ou on va carrément à la base du départ. On va aller carrément ici. Arbre maison. Et on va s'équiper correctement. On va enlever tous les trucs de la RDA et on va se faire une bonne bouffe. Bien puissante pour la mission qui nous attend. Je pense que c'est la dernière mission, hein, vu la mise en garde qu'on a eue. Donc ce que je vais faire... c'est aller ici créer un truc assez puissant. On va mettre de côté la bouffe à la... je dirais à la mort moelle nœud, on va dire. Donc, on va prendre ceci. Ça, on va mettre de côté. Ça, on va mettre de côté. On va voir ce qu'on a de plus puissant au niveau bouffe. Qu'est-ce qu'on a ici? On va trier par... on ne peut pas trier, malheureusement. Pas de chance. 10 minutes, bon, je vais créer des trucs carrément. Tu chasses parfois? Je vais carrément créer avec ce que j'ai de plus puissant. Je prends du sublime. Hein. Alors ça, ça donne quoi? 35% de dégâts de furtivité. Non, on va plutôt viser la santé. 30% de santé de blaze en sublime. Plus 40%. Allez, on va en faire un comme ça. On va en faire un avec les explosions, un avec du dégât. Ok, ça c'est bon. On va en faire un avec du dégât. La bénédiction de combattant. Propriété culinaire. Affiche 40% de dégâts à l'RDA. Ah bah c'est bien ça. Durée moyenne. Ça. Alors avec un truc sublime, ça marcherait, ça? Bon, ça c'est la furtivité. Moi, c'est autre chose qu'il me faut. Récolte agile, bénédiction de tracker, combattant. Si je rajoute ça, qu'est-ce qu'on obtient? Durée d'effet moyenne. On va prendre un truc plus fort. Attendez. Si je mets ça en plus... j'en ai plein des comme ça. Ça va me faire une longue durée en fait. À 40% de santé de base. Allez, on va essayer de faire ça, on va voir ce que ça donne.
40% dégâts de plus, 31 minutes. C'est bien. On va faire un truc de résistance aux explosions. Pas inifugé. Résistance au feu. Furtif. Furie. 50% de dégâts en plus. Ah ben on va prendre ça. Et ça. J'en ai plein, donc hop. C'est le fameux oiseau volant, là, super, qui ressemble à un ptérodactyle qu'on avait tué sur la petite île. Et qui était très méchant. Voilà, sublime. Furie 3, 37 minutes, 50% de dégâts en plus. Ça va bien nous aider, je pense. Accepté. Et alors, il faudrait un truc pour résister aux explosions. Ah, résistance aux explosions, ben voilà. On va prendre ça et ça. Et zou. On n'en est pas encore en durée max, hein. Je crois que la durée max, ça doit être une heure. Et voilà. Sublime. 50 minutes résistance aux explosions. On va voir maintenant où on en est au niveau des plats. Combien est-ce qu'on en a sur nous. Bien. Alors tu voyons voir ça. Nourriture. On a encore deux emplacements de libre. Donc on peut encore faire deux plats. Un peu de fromage de Zacro ferait des merveilles avec ça. Alors. Furtivité. Embuscade. Avec celui-ci. Durée d'effet longue. Ou bien non, je prends ça. Hop, 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 attendez. J'enlève quand je suis pour enlever. Ah, je vais la refaire hein, parce que ça marche pas. Je vais prendre les deux faibles. On va rendre ça. Et ça. Voilà, plus 35% de dégâts de furtivité, c'est très bien. On le fait. Une minute et peut-être un truc de santé, résilience, ça c'est du furtif, c'est ça? Non, la santé de base, on va faire la santé de base, on va prendre celui-ci, j'en ai trois, j'en ai encore des comme ça en sublime, on va faire ça et voilà, zou. Et voilà, on est équipé, maintenant on va pouvoir faire la quête hein. Voilà, 35% de santé en plus pendant 43 minutes. Bon. Donc si on regarde un petit peu, au niveau de la nourriture maintenant, donc on a les œufs frits grandioses, on a tout ça. Et c'est parfait. Et on n'a pas beaucoup de trucs pour manger tout court. De viande, j'en ai pas pris beaucoup. Avec deux, je devrais avoir assez. Hein. Ok, allons-y. On se retéléporte au niveau de la quête et on y retourne au QG. Frappe ultime. Ne plus suivre, c'est malin. Enfin bon, peu importe. C'est là en fait, hein. Il est où le QG? Appel résistance, et hop. Je vous conseille de bien vous préparer pour cette mission. Si c'est la dernière, ça risque d'être difficile. Il risque d'y avoir un boss. En général, il y a un boss dans les jeux Ubi. Donc, préparez-vous. Prenez bien toutes les munitions que vous pouvez. Prenez bien les bonnes armes. Prenez un bon équipement. Moi ici je vais peut-être encore créer quand même. Ouais c'est bon. Ça je vais peut-être créer. Des lance-perce blindage. J'ai jamais utilisé, je vais le faire. Tant pis pour les pièces. Lance-perce blindage qui affiche des dégâts supérieurs au blindage à l'impact. Ok. Alors, on va voir pour la quête, c'était là-bas au bout.
Donc on a tout ce qu'il faut. On est équipé, on est équipé, on est équipé. Ouais, il en manque. Il en manque quelques-unes. Peut-être faire une à base de mine. Mais non, on va attendre. On fera le moment venu. Voilà. Allez, go. Nous sommes prêts pour le pire. Les chefs préparent leurs clans respectifs. À partir ? Et sur le disque dur de Taylan ? Il n'y avait rien d'utile ? Les plans de la base de Mercer. La RDA a creusé profondément. Ils ont atteint les grottes souterraines. Tiens, en entrant par là, tu contournes la sécurité. Taylan nous a aidés. Il semblerait, c'est exactement ce qu'il nous fallait au meilleur moment. Tu ne l'as pas vu, Ritnella. Il regrette ce qu'il s'est passé. Mercer, c'est sa faute. Il l'a manipulé. Peut-être qu'il le contrôle toujours. Taylan doute de son côté Na'vi. Il compte sur Mercer pour remplir le vide de son cœur. Maintenant, tu dois te faire confiance, Ritnella. Écoute ton cœur et tu sauras quoi faire. On devrait aller voir. S'il y a bien une entrée, peut-être que les clans pourront rester. Si j'entre dans la base, j'aurai besoin de leur soutien. Tu l'auras. Trois clans, une armée. Je n'aurais jamais cru revoir ça un jour. Quatre clans. Tu oublies les Sarentu. Et le mien. Nous sommes cinq clans, unis pour ce combat. Frappe ultime. Ah, ben on reçoit une arme. Bah vous n'avez pas besoin de faire un gros fusil à pompe, vous allez en recevoir un. 2,40, mais je crois que j'ai mieux. On va vérifier quand même un petit peu. Ici. Celui-ci c'est 12, celui-là c'est 11, celui-là c'est 12, il est dépassé. Mais je l'utilise pas. Et niveau fusil à pompe, moi j'en avais un à 2,50 et on en reçoit un à 2,40. Dégâts au point faible 15%. Ici j'ai un 2,50. Fureur de vivre. Ouais, je préfère prendre quand même celui à 2,50, il a l'air plus puissant. Ouais, je vais garder celui à 2,50. Ok, on est bon. Allez, c'est parti. On va enlever le truc. Où est-ce qu'il faut aller maintenant? Quête. Alors. On va sur la frappe ultime. Commencer le pistage. Afficher sur la carte où est-ce qu'on doit aller. Ah, je crois qu'on va devoir attaquer la grosse usine là. Hein. Où est-ce qu'on doit aller? Qu'est-ce qu'il me dit de faire en fait maintenant? Localiser l'entrée de la grotte sous la base de Mercer. La grotte se trouve au nord de la base de forage Omega, sous un énorme arbre déraciné. Ah ben voilà, c'est là. Alors on peut se téléporter ici par exemple. C'est le plus simple, on l'avait déjà fait, c'est l'hydro-injecteur Delta. Ici vous avez le laboratoire de la solitude. Là, vous avez le laboratoire Verbois, et nous, on va se téléporter là. Ici, vous aviez l'extracteur Bravo, et on va se mettre ici. Enfin, même le Bravo, ce serait peut-être encore mieux, même. Ouais, c'est pareil. On va se mettre à l'hydro-injecteur. Ah, mais on peut pas y aller, donc. Ah, tiens. Pourquoi on peut pas? Bon, je vais ressortir. Ça, c'est bizarre, ça. Il nous oblige à voler d'ici. Alors, où est la sortie? Me suis perdu. Me suis perdu. Me suis complètement perdu, d'ailleurs. C'est par ici. Bon. J'aimerais quand même bien me téléporter, si c'était possible. Parce que c'est quand même 6 km, j'ai pas envie de voler jusque là. C'est loin. Allez, on sort. Ici, c'est bon, on a tout. On a tout. Faut sortir. Par là, je suppose. Ouais, c'est bon. Entrée principale. L'écran est là. Tous les écrans sont là, d'ailleurs. Je peux vraiment pas me téléporter.
Bon, où est-ce qu'elle est maintenant cette grosse base? Je l'ai perdue de vue. Bon, enfin quoi. C'est là-bas. Et on peut vraiment pas se téléporter. Hein. On peut se téléporter nulle part en fait. Faut vraiment y aller en volant. Oh bah c'est dingue ça. Allez, on monte. Ah oui, c'est pour qu'on aille les attaques et tout. C'est pour des questions scénaristiques. Nous avons des nouvelles des autres camés tirés. Atoufi a envoyé un éclaireur vers la base. Ils espèrent trouver un moyen de traverser les grottes pour surprendre la RDA de l'intérieur. J'ai hâte de voir les camés tirés obtenir enfin leur vengeance. Autour des chamans de Fernal. Et les autres clans? Tu as des nouvelles? So, Lek est en route avec les Essoirs. Il va bientôt te contacter. Je n'ai pas de nouvelles des Alanae. Ils accepteront de se battre. Kapnat connaît bien les enjeux. J'espère que tu as raison. Maintenant, je vais essayer de me téléporter, maintenant qu'on a eu les messages. Oh, toujours pas. Yeah. Prenez un peu plus de bouffe. Quelle bonne nouvelle. Minang et Nessim préparent leur peuple au combat. Quelle bonne nouvelle. La tempête des Essois est avec nous. Harding va être ravi de les revoir. Ils chevauchent jusqu'à la base de Mercer. Mais les tourelles de défense vont poser problème. Une fois à l'intérieur, je devrais pouvoir les désactiver. Bien. Je vais rejoindre la cavalerie. Les forces de Mercer ne tiendront pas longtemps. Prenez un peu plus de bouffe pour votre Ikran, hein, pour pouvoir remonter votre énergie. J'en ai pris trop peu, j'en ai pris que deux, c'est pas assez. Aller là-bas, ça a l'air bon, mais encore l'air d'y avoir une base en bas. Ici, encore l'air d'avoir une base là sur le côté à droite que j'ai pas trouvé d'ailleurs. Ou c'est peut-être ça la grande base qu'il faut attaquer. Non, j'ai un doute, c'est une autre base. J'ai l'impression que le compteur il est pas bon. Ouais, c'est bizarre. Ce serait déjà ici. Bah oui. C'est ça l'arbre calciné, je suppose. Ouais, base de forage Oméga. J'ai l'impression que c'est pas encore la toute grosse base. On va atterrir ici. Moi j'arrive pas à atterrir. Voilà. Ça je crois que c'est l'endroit où il faut rentrer. Donc c'est vraiment ici. Non, c'est quand même la base qu'on voyait. Alors on y va. Atoufi est en chemin. Va, nous serons prêts à nous battre à tes côtés. Je suis devant l'entrée de la grotte. Voyons enfin où ça mène. Fais attention à toi. On ressent encore les secousses des tirs de Mercer sur les arches. Si ça c'était un test... Je sais. Pandora
On va l'arrêter, Rinella. Entrez dans la base. Faut passer sous l'eau. Attention, nagez vite parce que sinon vous allez vous noyer. J'ai déjà eu la blague plusieurs fois. Ce qui est trompeur, c'est qu'il n'y a pas de compteur d'oxygène. Attendez, il faut sauter. Hop. Où est-ce qu'il faut aller? Ah, c'est bon. Oups. Je peux pas passer par là. Oh, faites qu'il y ait un autre chemin. Va falloir chercher. Par là. Et moi, on va trouver un moyen de les faire entrer. Peut-être qu'il ne pourra pas t'aider. Même si son cœur le souhaite. Tiens-toi prêt si jamais. Rinella, je t'entends mal. Rinella! Attention. Là, il y a une plante que j'ai pas encore récoltée. Ah, c'est pollué. Okay. Ouais, c'est vrai que tout est pollué dans le coin. À cause de l'usine, forcément. Où est-ce que j'en suis, moi, niveau santé? Bon, ça, c'est bon. Il perd jamais aussi loin. On y est. Un ingénieur, maintenant? Détends-toi. T'as entendu Mercer? On va s'en mettre plein les poches. Si on en sort vivant. Alors, c'est pas où le dépeçage de l'ouvipère? Ok, je m'approche. J'attaque! Voilà, ça, c'est une bonne chose de faite. Pas d'alarme, on est tranquillou. Ceci est une annonce de sécurité. Un forage est en cours. Pour votre sécurité, veuillez évacuer. Il y a un garde qui se balade là-bas. J'ai l'impression d'être né pour éradiquer les singes bleus de cette lune. Je suis bien d'accord. On va voir ce qu'on peut récupérer. Ceci est une annonce de sécurité. Un forage est en cours. Pour votre sécurité, veuillez évacuer. Je vais péter un câble en portant les repères. Je vais regarder par où on doit aller. Je pense qu'on doit monter. Je demande ce qu'il faudrait faire pour qu'on me renvoie chez moi. Okay.
Ok, on avance. C'est pas les composants pour faire des flèches qui manquent. Hein. Ceci est une annonce de sécurité. Oups. Un forage est en cours. Et là, je vais pas où. Pour votre sécurité, veuillez évacuer. Là, je suis coincé. Ah, mais ça s'ouvre. Magnifique. Rinella, tu me reçois? J'ai réussi. Je suis dans la base de Mercer. Je me charge des défenses de la base. Je trouverai comment faire rentrer les clans. On va pirater, mais avant... Oh, c'est parfait. Enfin, on va pirater ici. Les protocoles de sécurité doivent être suivis. Alors, voyons voir ça. Ça a l'air trop simple. Franchement... Il y a un verrou. Cassez-le. Là, on a tout ce qu'il faut. Il me dit que je peux pirater. Ceci est une annonce de sécurité. Un forage est en cours. Bon, c'est un bug. Pour votre sécurité, veuillez évacuer. On avance. Par ici, je suppose. Électricité. Ça, c'est embêtant. Comment on fait pour couper l'électricité? On ne peut pas passer par en haut. Je vois pas de truc. Ben voilà qui est plus qu'embêtant. Bon. Je crois qu'il faut remonter, essayer de voir comment on peut couper l'électricité. On va remonter. Je sais pas si on s'est remonté. On s'est remonté, je suis en haut. Comment est-ce qu'on coupe l'électricité? Ceci est une annonce de sécurité. Un forage est en cours. En tout cas. Pour votre sécurité, veuillez évacuer. Ah, il y a un truc là, tiens. Ouais, bon, ça, je ne peux plus en prendre. Je sais pas comment on coupe l'électricité. J'ai l'impression qu'on va devoir courir à travers. Bon. Je crois qu'on n'a pas le choix. Il me dit qu'il y a un truc à pirater, hein, mais... Je vois pas où. Bon bah je vais courir à travers l'électricité, je vois pas d'autre solution. Tant pis, on prendra du dégât. Ah c'était ça. Ah j'avais pas vu. C'est dommage. C'est dommage, c'est pas grave. On sort là. Et on continue. On peut refaire des trucs. Donc on va faire des flèches. Et on reprend. Oh ben on peut prendre plus. Ouais voilà, on a du stock. Voilà, parfait. On continue, c'est par là. Comment on fait pour passer? Par là.
clés. Par ici. Impec. On est de l'autre côté. Je vais mettre des dégâts de furtivité peut-être ou quoi. Nourriture. 50 000 de santé, ou bien je mets 50 000 de santé en plus. Allez, je vais prendre ça. 50 000 de santé en plus, ça peut toujours servir. Allez, go. Comme ça, je pourrais ramasser les rations. J'aurais dû laisser un slot finalement. Hop hop, peut-être on doit aller là. Voilà, ça, on a tout l'air. Allez, tombe. Bah, c'est de la convient. C'est de la convient, c'est pas par ici. Ok, par où faut aller alors? Bah, là par là. Et puis par ici alors. Ah, ouais, ça a l'air d'être ça. Un truc là, l'inventaire est plein. Ouais, c'est bon, je crois. Oh, ça s'est refermé. Ça, c'est pas bon signe. Ça. Voilà, c'est un piège. C'est un piège. Voilà. C'est un piège juste qu'il faut aller, il faut aller là. Voilà, oh là, ça a pété. Bon, là je suis cuit. Aïe aïe aïe. Aïe, j'ai plus de munitions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, faut aller par là. Plus de munitions. Oh là 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 là. Quoi? Que leur est-il arrivé? Il y a quelqu'un là-haut. Qui a fait ça? Catastrophe, hein. J'ai failli passer plusieurs fois, ça m'a coûté mes 4 graines de santé. Donc si je pouvais récupérer de la santé, je serais bien content, parce que là je suis mal barré. Par où est-ce qu'il faut aller? Découvrir ce qui est dans la salle de contrôle supérieure. La question c'est par où est-ce qu'il faut aller? Peut-être par là tout droit tout simplement. Monter. On va monter. On va faire ça.
Ah, tiens, tiens. Taylan, c'est toi qui as grillé ces AMP? Oh, je suis désolé. Tu vas bien? Ce hangar devait être vide. Je ne t'ai pas touché, si? J'avais peur que tu ne viennes pas. Mais tu es là. Tu as cru en moi. Je sais. Je sais que j'ai fait une erreur. Nous devons l'arrêter, Taylan. J'ai vu la charge. Il la prépare dans les étages supérieurs. Tu peux y aller, je vais te montrer. Viens avec moi. Les clans sont prêts à se battre. Nous pouvons l'arrêter, ensemble. Non, je suis bien ici. Je préfère rester en retrait. Tu vaux mieux que lui, Taylan. Comme nous tous. Je peux accéder au système de la base depuis ici. Pour te guider. Te protéger. J'aimerais me racheter. Pour tous ceux que j'ai blessés. Pour Ahari. Pour nous tous, toi y compris. Tu es l'un des nôtres, Taylan. Un Na'vi. Pandora est ta maison. Je sais que tu la protégeras. Ça te permettra de monter. Dans la base. Ne te fais pas attraper. Je vais essayer. Allez, une petite graine, c'est déjà ça de prix. C'est pas beaucoup, mais... On continue notre chemin. Il y a de l'équipement. Ça, peut-être, ça peut nous faire du bien. Un gilet sublime 150. Alors, voyons voir ça. C'est toujours mieux que ce qu'on a. Dégâts sur monture. Oh là là. Dégâts sur monture 17, c'est pas intéressant, quoi. Ici, au moins, on a furtivité 12, résistance élémentaire 20. Je vais quand même mettre ça. Pour avoir plus de... Oh, c'est pas génial, mais... Ok, on va mettre ça. C'est pas ce que je préfère, mais... Je préfère un petit peu plus d'armure. Ah, ici, on fait un truc. Ah, nourriture. J'en ai pas besoin actuellement, mais ça va servir après. On continue. Ah, encore un truc là. Ça, c'est des rations, je crois. Je vais pas les prendre. J'ai plus de place. Ok, on avance. Faudrait trouver des graines de soins. Parce que j'ai tout utilisé dans la fameuse pièce là. Ritnella, tu m'entends? Mercer prépare la charge. Je vais essayer de l'arrêter. Des éclaireurs ici. Kamet-Tiré sont proches. Ils sont passés par les grottes. Tu auras bientôt des renforts. Taylan, tu peux voir les Kamet-Tiré? Attends. Ouais, ouais. Oh, ils sont discrets. Ils sont juste devant la porte. Je vais essayer de les faire entrer. Ici, ça c'est super. Ça nous donne nos 3 graines déjà. Bon, 4 ce serait mieux, mais 3 c'est déjà pas mal. Là, il y a un truc, je crois qu'il faut le péter. On prend une flèche. Ok, un pec. On avance. Je vois rien pour se soigner. Faut grimper. On grimpe. Ok, nous voilà dans les conduits maintenant. Un conduit. Sous désordre. Ils sont pas sans renfort. Toute une division d'AMP vient de disparaître des radars. C'est juste un problème de com.
On a des soucis de court-circuit en bas. Alors, soit leurs radios sont HS, soit quelque chose les a dézingués. Dans les deux cas, ils ont pas besoin de notre aide. Tu veux dire ça, Harding ? Arrête un peu. Je suis sérieux, ta radio est là. Pourquoi tu l'appelles pas ? Dis-lui que t'as pas envie de bosser aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle comprendra. Peut-être qu'elle te réaffectera. Un poste dans les plaines, ça te dirait ? Tu pourrais chasser des panthères à crêpes. Ok, ok, c'est bon. Désolé de l'avoir ouvert. Tu veux bien attendre un peu ? Ils vont peut-être répondre. Bon, d'accord. Ouais, coup de poing, ça marche aussi. Hein. Pieds étachés. Ok, rien de nouveau ici. Ah, un conteneur d'équipement. Ah non, c'est pas d'équipement, c'est des munitions, ça. Bien. Non, on peut pas passer par là. Bon, maintenant qu'on est dans la pièce, par où il faut aller ? Ah, je sais, il faut péter la porte. Voilà. Alors, ici. Waouh, qu'est-ce qui se passe ? La porte ! Préparez vos arcs ! Viens ! Ah non, c'est les alliés, ça. J'ai eu peur. Ça c'était de la bouffe. Oh, du soin. Bon, je vais quand même restaurer mon énergie avec le bazar là. Je crois qu'il y en a un deuxième ici. Bon, l'inventaire est plein. On a tout ce qu'il faut ici. Oh là là, j'ai mes 4 graines, je suis content. Donc utilisez bien vos 4 graines si vous en avez besoin dans l'autre pièce, vous en retrouverez après ici. Hein. On peut plus récupérer la bouffe qui est tombée, zut. Bon, c'est pas grave, je le savais pas. Encore un conteneur là. Grenade, je n'utilise jamais. J'ai peut-être tort, enfin rarement. Le destin a voulu qu'on se revoie derrière les murs ennemis. On est les premières ? Ils parlent beaucoup, mais les essois sont assez lents. Il faut que je désactive les tourelles de défense pour qu'ils puissent entrer. Le bâtiment d'opération est de l'autre côté de la base. La salle de contrôle des tourelles s'y trouve. Dis-nous quand tu veux qu'on te couvre. On va les enfumer pour les distraire. Ceux qui viennent du ciel ne peuvent pas nous avoir. Pas encore. Ils regretteront le jour où ils ont croisé les Kamettere. Ok. Vite. Nous devons profiter de cet avantage. Où est-ce qu'on doit aller maintenant ? Ouvrir la porte principale pour laisser entrer les Kamettere. Donc je suppose qu'il faut pirater un truc. Ah, il y a un truc ici. Pièce détachée. Merci. Bon. Est-ce qu'il y a un truc à détacher ? Ouais, je vois, c'est là-bas. Il faut pirater. Ok, on va faire ça. Pirater ici le truc. Alors, voyons voir ça. Oh, ça a nouveau l'air super simple, décidément. Niveau de sécurité zéro. Au secours. Oh là là. Bon, s'il nous couvre, ça veut dire qu'on peut probablement traverser la zone. Donc, on va faire ça. On va courir à travers tout. On va tout traverser hein, puisqu'on est couvert par les autres. Donc vraiment on s'occupe pas de nous. Je sais pas, on doit aller là-bas. Donc on court à travers tout. Hein. C'était le but puisqu'il nous couvre. Bon, c'était un peu tiré dessus, mais c'est pas grave. Hop. On va faire quand même gaffe. Hein. Voilà, on est là. C'était le but. Et maintenant, il faut qu'il assume son erreur.
que Harding va se retirer. On peut l'emporter. Apparemment, il faut pirater à nouveau. Allons-y. Ah là, c'est pas niveau 0. Hein. Ok, allons-y. Oi, 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 c'est vachement long ce truc-là. Waouh. Ok, on y va. Ici, on pourrait leur faire mal. Il y a tout un tas d'AMP. En les éliminant, les Essois seraient moins en danger. Mais fais attention. Personne ne doit savoir que tu es près de la salle de contrôle des tourelles. Faut pas que les gardes me repèrent. Oh, y a un garde qui arrive par là. Il y en a encore ou pas? Je vois plus de soldats. Sauter, je crois, pas d'autre choix, je pense. Est-ce que je dois les détruire, les AMP, ou pas? Détruire les ordinateurs de la salle de contrôle des tourelles, détruire les AMP. Ben, allons-y. Décidément, ils sont vachement solides. Hein. Deux. Ce serait bien un petit coup la lance. J'ai jamais utilisé la lance. Je sais pas comment ça marche. Mais pas en perte blindage, en normal. On va voir un petit peu ce que ça fait et comment ça marche, ce truc. Les points faibles. Ah, d'accord. Ok, quand le truc se referme, on vise. Ok, c'est bien. Encore un à détruire et on sera bon. Donc pour maximiser les dégâts, faut le faire bien au bon moment. Quand ça se referme. Maintenant. Voilà. On va recréer des lances. Voilà, parfait. On va recréer des trucs d'arc. Parfait. Donc ça c'est fait. Maintenant il faut détruire les ordinateurs. Alors est-ce qu'on a encore... Il y a des soins là. Oh oh. N'oubliez pas de récupérer vos soins. On va faire le tour de toute la salle. Hein. Peut-être qu'il y a encore des trucs à récupérer. Je sais pas combien de soins j'en suis. Je fais le tour de toute la salle quand même. Hein, au cas où. Ici il n'y en a pas. Ouais, il n'y avait que ça, je crois. Par contre, il y a des trucs ici. De la bouffe. Au cas où. Ça donne quoi l'énergie? Elle est bonne. On a 4 graines. Waouh, c'est génial. Allez, on monte. Je prends le fusil à pompe quand même. Ok. Oh, il y a encore des graines ici, c'est parfait. Où est-ce qu'on doit aller? Là-bas. Détruire les ordinateurs de la salle de contrôle.
Est-ce que c'est ici? Il y a un verrou. On passe. Encore un verrou. Attention. Oh là. Zut, j'ai pas vu. Oh oh, purée. Ok, c'est bon. J'ai pris un tout petit peu de dégâts. C'est pas très grave. Ok, bah ils ont tous été... Bon, pour les détruire, faut tirer dedans. Faut tirer dedans. Ok. Bon, c'est raté. Et dernière tourelle. Allez, go. Oh, je vois des cavaliers approcher des portes principales. Les essois. Tu peux les faire entrer? Pas d'ici. Mais tu es près de la salle de contrôle du pont. Par là. Me laisser tomber là, ça donne pas très envie. Ouais, pourtant je pense bien que c'est ce qu'il faut faire. Ok, j'aimerais bien trouver de quoi faire des nouvelles flèches. Oh oh. Abaisser le pont. Comment est-ce qu'on abaisse le pont? Faut pirater un truc ou quoi? Qu'on avance. Où est-ce qu'il faut aller? Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de compte à rebours, donc je suppose qu'on a tout notre temps. Ah, saboté. J'ai fait de m'approcher et de leur tirer dessus. Bon, je pense qu'il faut pirater le truc. Je regarde s'il n'y a pas d'autres ennemis plus loin. J'ai tout le temps. On n'est pas pressé. C'est que ça encore. Il y a un truc planqué là. C'est protégé par de l'électricité. Voyons voir ça. Ouais. Ça sent pas bon. J'essaie de tirer dans le bidule. Marche pas. Marche pas. Et là, on sait jamais. Marche pas non plus. Bon. Bien comment on va dans ce truc là. Par au-dessus. Ouais, c'est ça, faut sauter dedans.
Car... Ouais, c'est ça. Sauter dedans. Mais alors, comment on sort après? Bah, on peut sauter après, hein. Y a pas de raison. Allez. Y'a pas moyen de sauter? Non. Oh bah tiens. Bah zut. Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse rentrer. Je vais déjà faire l'autre truc. On verra bien après. Alors ici. Hop, on pirate le truc. Ah bah c'est niveau 0 ça de nouveau, hein, sérieux. Allez. On abaisse le pont. Ok. Ils m'ont pas raté, hein. Oh, ça va ? Hé ! Réponds-moi ! Je vais bien, je crois. C'est pas passé loin. Ah ah ah. Et voilà. Les Alana Hill sont dans le ciel. J'avais pas capté, hein. Teylan, alors... il faut désactiver les tourelles anti-aériennes. Tant qu'on y est. J'y vais. Voilà. Équipement. Je sais pas ce qu'on a chopé. Des pièces ou quoi? Ah, une visière de guérilla. Motte de coiffe. Attendez un petit peu. On va me dire regarder ce que c'est quand même. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Résistance élémentaire 16. Dégâts l'air d'air 18%. Dégâts 13. Dégâts points faibles. Bref. Dégâts l'air d'air 18% d'office, hein. Allez, on va prendre celle-là. On a un autre truc de nouveau? Non, hein. Rien d'autre. Ok. Bon, on continue. Désactiver les armes aériennes, anti-aériennes pour permettre aux araignées d'attaquer, atteindre l'antenne de contrôle. Je suppose qu'on doit aller par là. Allez, go. On va courir. Ça tire de partout. Bon, c'est par là. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Hein. Hop, 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 hop. J'ai parlé un petit peu vite. J'ai raté, j'ai tiré trop tôt. Sérieux. Voilà. Je suis pas mort, lui. Bon, je vais régler le problème vite fait. Voilà. Moi comme ça, on est tranquille. On va refabriquer des flèches. Et voilà, go. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un lance-roquette. Ça, c'est intéressant, ça. Faut tirer sur le truc ou quoi? Attendez un petit peu, hein. Je vais redéposer mon lance-roquette ici. On viendra le rechercher. Ok. On va prendre ça. Et ça. On va tirer dedans, hein. Pas de raison. Non, c'est pas tirer dedans qu'il faut faire. Tirer. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, attends un peu, ok? J'ai besoin d'une seconde pour...
Aïe. Moi je l'ai eu au moins. Il y en a un autre. Je l'entends. Où est-ce qu'il est? Ah! Je suis coincé! Hop, celui-là aussi je l'ai pété. Ok. Encore un. Oh là 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 là. Oh, je me suis fait méchamment toucher là. T'en restes en 6 secondes, bah ça va. De récupérer mon énergie. Sur quoi je dois tirer moi? Sur le truc là-bas. Sur ce truc là. Ben voilà. Oh yo, il lance des grenades. Tranquille, hein. Je crois que c'est le bon plan, c'est de se mettre là. Un de moins. Gaffe, hein. Oh, je l'ai raté. Il va falloir utiliser les grands moyens là. Attention. On attend qu'il s'approche un peu. On arrose copieusement. Oh, je suis dans le feu. Ah, j'ai vu des soins sur le mur. Il y a des soins sur le mur ici. Ça me fera pas de mal ça. Ah, c'est là-bas, en plus. Oh, des grenades. Il en reste encore un, hein. Est-ce qu'il est... Oh, c'est de l'autre côté. Ah, je le vois. Ça va être compliqué, hein. Ouf, il a bien pété, je crois. Je pense que je l'ai eu. Oh là là. Je pense que je l'ai eu. Quel terminal? Quoi? Au-dessus de toi, à la fenêtre. Il te regarde. Ah oui? Bien. Laisse-le faire. Laisse-le voir ce qui va lui arriver. Ok, c'est où le terminal? Ah, il y a encore des trucs ici pour se soigner.
On va essayer son fusil à pompe. Il est où ce terminal? Où est le terminal? Là-bas. Je viens de le voir. Bon, on a tout ce qu'il faut normalement. Niveau santé, oh, c'est bon. Ok, le terminal. Donc des trucs ici. Le terminal, c'est ça. Ok, go. Niveau 0 de sécurité, sérieux. L'antenne. Finito. Pipo, on n'en parle plus. Les hélicos crash, tant mieux. Ah, le v'là. Je vais essayer de le devancer. Désactiver le terminal antiaérien, c'est fait. Arriver au sommet de la raffinerie. Ah, je veux bien, mais... Par où? Par là, je suppose. Ah bah oui, il y a une porte là. Il y a encore plein de trucs ici. Bon, on va tout ouvrir, hein. Hop. Les pièces détachées. Bon, ça, c'est plein. Allez, bon, on avance. Malgré que j'aurais bien cherché encore des trucs. Est-ce que j'ai encore au niveau des flèches? Je remets des flèches. Et je vais récupérer ça au cas où. On sait jamais. Et on ne trouve plus après, ça m'étonnerait. Mais... Oh, il y a encore un truc là. Oh, intérêt plein. J'ai pas encore utilisé mes munitions spéciales. Je les garde hein, pour le boss. S'il y a un boss, hein, j'en sais rien. Je joue sans aide, donc j'ai pas d'idée. Est-ce que c'est bien par ici? Ah, on dirait bien. Est-ce que c'est vraiment par là qu'il faut aller? Il faut grimper en haut. C'est pas comme ça qu'on va grimper en descendant. Arriver au sommet de la raffinerie. Bon. Est-ce qu'il y a quelque part des... des crochets ou quelque chose pour s'accrocher. Bon. Je vais quand même essayer d'aller par là, on verra bien. Ah, il y a un escalier ici qui monte. Il y a un autre truc là, tiens. Je ne suis pas venu seul. Oui, toi et tous tes amis, grouillant comme des insectes, semant le chaos. Tu n'as jamais compris le sens du mot discipline. Mais rien n'arrête le progrès. C'est ça le progrès pour vous? Mercer! Attention. Il y a des gardes. J'ai vu un garde. Les deux gardes sont morts. Encore des gardes. Allez, debout. Il y a encore un garde là-bas. Ça a l'air bon. Bon, j'ai quand même refabriqué des flèches. Hop, attention des gardes encore. Je suis tombé, non, je suis tombé, c'est pas vrai. Et je suis mort.
Ne me dites pas que je dois tout recommencer. Je suis où maintenant? Ah, ça va, je suis ici, ouf. Ça va, je suis ici, ouf. Faites gaffe de pas tomber, hein. Ça pardonne pas. Bon, maintenant on sait qu'il y a des gardes, hein, de toute façon. Heureusement qu'on recommence ici. Ah, il faut grimper là-haut. Je l'ai raté, je crois pas. Sérieusement, quoi. Comment j'ai fait pour le rater? Bon, autant remourir tout de suite, hein, et recommencer, quoi. On peut recommencer au dernier point de contrôle, hein, je crois pas. Ça, c'est pas malin. J'avais tellement bien réussi la première fois. Dangereux avec son lance-roquette. Il y en a encore un. Hein. Encore un qui court là. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire pour commencer. Il y en a encore même plusieurs. C'est pas vrai. Par où il faut aller. Par là ou quoi? Non. Ah, par là. Ok, on peut grimper par ici. Oh, il y a encore des soldats partout. Non, c'est pas ça que je veux. Purée. Bah enfin quoi? Moi je suis quasi mort. Ah là il me tire de partout. Bon, moi j'en ai eu deux. Allez! Purée quoi! Je vérifie la dernière position connue. Il est où le dernier? Ah, il est là-bas. Ah, ils sont plusieurs encore. Waouh! Ça a l'air bon maintenant.
Ils ont l'air tous morts. On avance. J'ai vu des trucs de soins sur les murs. On va les prendre. Hein. Ici. On continue à grimper. Il y en a encore un qui part. Hein. Sérieux, les dégâts qu'ils font ou quoi? Des flèches. Attendez, parce que là ils sont à découvert. Je suis assez proche. Soyez prêts à attaquer. Je balance les flèches. Où est-ce qu'il est? Pourquoi il est passé derrière? Je crois pas. Tiens, prends ça. Tu m'as assez embêté, toi. Bon, je vais voir s'il n'y a pas des... Je vais voir s'il n'y a pas des trucs de soins. J'en vois pas. Niveau énergie, je suis bon. Pardon. Je regarde s'il n'y a pas de trucs de soins sur le mur. Non, c'est bon. Ok. Je me méfie. Hein. En effet, on les voit. Bon. Je vais prendre ce qu'il faut. Mon énergie au max. Elle était au max, je pense, hein, mais je prends pas de risque. Ok, il y a un AMP là-bas. Suivre la charge. Je crois. Voilà. Ouf, attention, grenade. Oh là là. Je me mets à l'abri pour récupérer mon énergie. J'essaie d'utiliser le moins possible mes graines, hein, parce que j'en ai plus que 3 et j'en trouve pas ici. Ok.
c'est bon. On y retourne. Oh, c'est pas vrai. Enfin. Encore un là. Aïe 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 aïe. Rebelote, hein, je me mets à l'abri. Est-ce qu'ils sont jusqu'ici? Purée, je crois pas. Non, moi je les ai eus. Ok. Font vraiment très mal hein, quand ils tapent et quand ils tirent. Oh, il y en a encore un là-bas. Ok, lui je l'ai bien eu. Il y a des moyens de se soigner quelque part. Je regarde hein, s'il n'y a pas des soins ou des trucs à récupérer. On sait jamais. Il n'y a pas de soins, il n'y a rien du tout. Bon, j'ai bien fait de garder mes trucs. Hein. Ok, on passe là. Pas la peine de tirer sur cette vitre. Compte fait, vas-y. Gaspille tes munitions. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Si j'étais toi, je profiterais de ma liberté si durement acquise. Le verre et le métal te manquent, c'est ça? C'est dur de vivre dehors. Ça t'est insupportable. Tu ne peux pas t'empêcher de revenir ici, vers moi. Je ne vous laisserai pas faire. Je trouverai un moyen d'arrêter cette charge. Tu devrais partir tant qu'il est encore temps. Regardez-vous, Harding est parti. Les Na'vi sont en train de détruire votre base. Vous êtes seul. Et vous allez tous mourir ici, engloutis par votre maudite lune. Ok. Taylan, où va-t-il? Oh, au sous-sol. Vers la chambre de mise à feu. J'y vais. Se rendre au sous-sol. Ouais, un peu de bouffe, ça fera pas de mal. Je vais devoir me rebuffer, il reste une minute de vie. Chose. L'enfer a ouvert sans vente. Mais en enfer, vie 43 minutes. Lorsque la charge explosera, cette région deviendra le champ de crucifères, le plus riche de Pandora. Imaginez ce que cela signifie pour votre salaire. Rejoignez la salle de lancement. Produisez la charge. Par où est-ce qu'on doit aller? Je crois qu'il faut courir de l'autre côté. Ou bien se laisser tomber là. Je crois qu'il faut courir de l'autre côté. Puis aller par ici. Ouais, c'est simple, il est pareil. Oups, j'ai cru que j'avais raté mon saut. Voilà, ça pète de partout. Et maintenant. Je suis pas certain que c'était le bon choix. J'allais au sous-sol, le sous-sol c'est vers le bas quand même.
Bon, je vais remonter, je suis pas sûr si c'était bon. Ben, j'ai pas trop le choix, hein. Y a pas d'autre solution. Où est-ce que je dois me laisser tomber? Je dois glisser le long de la paroi. On va sauter là-bas au bout. Ouais, c'est ça en fait. Waouh, faut les sauter ici. Et maintenant, on fait ici, on utilise la compétence ancestrale en enfonçant B en tombant. Et on amortit le choc, voilà. Ça m'a l'air bien ça. Ok, on avance. Des grenades, ok. Est-ce qu'il n'y a pas de la vie un petit peu? Il n'y a pas de graines, hein. Gardez bien vos graines pour la fin, parce qu'à la fin, il n'y en a plus. Je sais pas combien il m'en reste 3 sur les 4. C'est pas si mal. Attention ici. Bon, je crois qu'on s'est simplement tombé. On avance. Lui, j'ai hâte de le faire taire, hein, avec ses bêtises. Ok, bon, on a un gros combat en vue, je suppose, puisque on a tout ce qui est niveau armement qui est rechargé. Alors, c'est bon, on va quand même se mettre à fond. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on va quand même repasser sur le fusil à pompe. Bon, si on pouvait récupérer un petit peu de soins, ce serait pas... cracherait pas dessus, quoi. Faut une pièce détachée. Ah, voilà. Comme ça, j'aurai mon dernier et quatrième. Ça, c'est parfait. Il y en a un ici, mais il y en a qu'un. Ils sont un peu radins avec les soins. Attention. Séquence d'alimentation. Respectez les protocoles de dangerosité de niveau 1. Je la vois. Elle est en train d'être alimentée. Oula. On va pas traîner, hein. Taylan, ça coupe, je t'entends mal. Dépose l'alimentation. Tu m'entends? Détruis les pas. Et je les vois. Allez hop, c'est tiré sur quoi ce truc là? Sur quoi qu'il faut tirer? C'est sur... Ah, sert ça. Quoi, il faut tirer? Enfin! Ah, zut, hein.
C'est pas vrai quoi. Pense à toi. Il y en a encore un. Allez. Il faut tirer. C'est là-dessus qu'il faut tirer en fait. Peste saloperie. Tu ne sais même pas à quoi ça sert. Tu ne comprends rien à rien. Tu sais ce que c'est ton problème. Vous allez me le dire. Faut que je fasse une flèche. Tu as toujours été faible. Ton petit caprice ne te mènera nulle part. Ah, mais c'est pas vrai combien ils sont quoi. Combien ils sont? Ah, je suis mort. Oh purée, c'est super dur. Faut recommencer. Purée. Ouais, j'ai compris maintenant ce qu'il fallait faire. Bon, on va récupérer tout ce qu'il faut. Ok, go. En plus, c'est minuté, hein. Séquence d'alimentation. Respectez les protocoles de dangerosité de niveau 1. Je la vois. Je bouge. Il est en train d'être alimenté. Tu vois, quoi? Taylan, ça coupe, je t'entends mal. Séquence d'alimentation. Tu m'entends? Détruis les pas. Où est-ce qu'ils sont? MP qui arrive. Allez. Abattez-moi cet empire. Allez, quoi? Ah, c'est pas vrai. Allez. Séquence d'alimentation.
Ah, c'est pas fini encore. C'est foutu. J'ai pas été assez rapide. Allez, on réessaye. Minute. Il y a des graines ici encore. Voilà, moi ça fait 4. Séquence alimentation en cours. Respectez les protocoles de dangerosité de niveau 1. Tu la vois. Il est en train d'être alimenté. Tu vois, mais... Ça va blindé. Quoi? Taylan, ça coupe, je t'entends mal. Voilà. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant encore? Voilà. C'est qui lui? Il est là! Mets tout le monde à l'abri! Oh là là! C'est ça le combat de boss à mon avis. Faut le balader hein, parce qu'il est costaud le gars. On va passer sur autre chose parce que ça marche plus.
Attention. Blindage peut-être. Qu'est-ce qu'il est? Oh là là, en pleine tronche là. Ah, perce blindage, ça marche bien. Perce blindage, ça marche bien ça. Allez, on court. On se soigne, on court. Allez. Oh, je vois plus rien. Qu'il est, je vois plus rien du tout. Purée, où est-ce qu'il est? Je l'ai eu. Taylan, tu as entendu Mercer? Il va vers les commandes de la charge. Il veut la faire exploser. Quoi? Comme une bombe? Tu peux l'arrêter? Peut-être. Peut-être quoi? Tu dois pouvoir surélever la charge depuis la salle de contrôle. Et la ramener dans la base. Ok, hop. Plus beaucoup de munitions, hein. On va passer sur une mission normale. Lunel, là. Mais tout le monde à l'abri. Il me reste que 2 minutes. Voilà. Je peux pas arrêter la charge. Ça va exploser. La destruction. C'est que cette base, je la déplace au-dessus du sol. Dis-moi que tu es proche d'une sortie. Je ne partirai pas sans Taylan. Allez, quoi? Par où est la sortie? Mais par où est la sortie? Ah, il faut prendre le truc. Mais non, par où faut aller? Le crochet. Allez, le crochet. La sortie, allez. Mais enfin. Allez, pirater. J'ai perdu beaucoup de temps là. Oh là 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 là, la panique. Panique, c'est foutu, c'est foutu, zut. Ram, zut. Allez, échec de la quête, réessayer. Ah là 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 là.
Mais tout le monde à l'abri. La RDA est partie, il n'y a plus personne. Les clans font la fête, tu devrais voir ça. Je peux pas arrêter la charge, ça va exploser. Mais... la destruction... C'est que cette base, je la déplace au-dessus du sol. Dis-moi que tu es proche d'une sortie. Je ne partirai pas sans Taylan. Attendre que ça s'arrête, hein, le feu, je crois. Voilà. Allez. Faut attendre ici. Oh, tant pis, je passe. Ah, il faut pirater le truc maintenant, vite fait. Allez, quoi ? C'est bon. Taylan, la charge est en train de monter. Bon, bonne nouvelle. Il faut que tu portes. Sors d'ici. Mercer va essayer d'abaisser la charge avant qu'elle explose. Je vais retarder. Taylan, non. Je ne partirai pas sans toi. Ça va aller. Je dois le faire. Il n'y a pas le choix. Je peux l'arrêter. Pour nous tous. Taylan. Je suis l'une d'eux. Tu n'as qu'un objectif en tête. Qu'une seule cible. Quelle détermination. C'est moi qui t'ai appris ça. C'est presque dommage de te voir échouer. Mais tu es la preuve que mon programme a réussi. Allez! Et tu mourras. En sachant que tu es l'incarnation de mon triomphe. Pourquoi je peux pas passer? Pourquoi je meurs, quoi? Quelle détermination! N'attendez pas à me voir ici, hein? Tu es vraiment surprenante. Je vois que tu as bien retenu mes leçons. Tu t'intègres parfaitement en avis. Tu vis comme... Je suis l'une d'eux. Tu n'as qu'un objectif en tête. Qu'est-ce que c'est possible ? Quelle détermination ! C'est moi qui t'ai appris ça. C'est presque dommage de te voir échouer. Mais tu es la preuve que mon programme a réussi. Et tu mourras. En sachant que tu es l'incarnation de mon triomphe. Si tu avais fait preuve de la même motivation à l'école, on aurait eu des résultats. C'est fini, Mercer. On a sécurisé la bombe. Tout va exploser. Quel lamentable gâchis.
Tu vois ça, Taylan? C'est à ça que ressemble l'échec. Oui, monsieur. Abaisse la charge. Regarde ton monde s'effondrer. Taylan! N'oublie pas! Non. Sérieusement? C'est comme ça que tu veux mourir en chantant une comptine? Taylan! On n'est pas des enfants! On est des Na'vi! Peu importe, c'est trop tard maintenant! Je peux vous arrêter, Mercer. Pandora se régénérera. Et vous ne serez qu'un tas de poussière balayée par ces vents. Taylan! Allez, Taylan! On y va! Je sais que tu dois m'en vouloir. Vous avez réussi. C'est enfin terminé. La RDA est toujours là. Mais nous sommes libres. Il est mort. Mercer ne fera plus aucun mal à personne. On peut tourner la page maintenant. Et reformer une famille, non ? N'est-ce pas ? Nous avons suivi ta voie trop longtemps. Nous devons nous reconstruire. Reconstruire ce qu'on a perdu. Et retrouver notre identité, Sarentu. Même moi. Je suis fière de vous. Je suis heureuse d'avoir vu ça. Les blessures du passé ne forgeront pas notre avenir. Mais nos alliés seront toujours les bienvenus. Peu importe ce qu'il adviendra, nous serons prêts. Il est fini le temps où les Sarentu étaient passés sous silence. Nous allons à nouveau partager nos histoires à travers Pandora. Notre avenir reste à écrire. Ensemble.
Et voilà, on vient de terminer Frappe Ultime et on vient donc de terminer l'histoire principale. On reçoit un Arclon impitoyable de Solek 137, 3 faveurs de clan, des motifs d'Ikran, des points de compétence, une perle de collier de vie débloquée. Et maintenant, on peut continuer soit les quêtes secondaires, on peut continuer à explorer le monde et on peut surtout faire le DLC qui arrive très bientôt. Je vais regarder l'arc que j'ai reçu. L'arc long impitoyable de Solek, impec. Alors ici, ça me plaisait pas trop ce qu'on avait là, mais c'est pas grave. Et bien voilà, on va arrêter le let's play ici. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne.